Hey yo tout le monde, c'est Tiob, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Victoria 3 dans lequel nous jouons l'Allemagne. Alors. Où t'es dit qu'on va aller chercher quelqu'un? Là on peut pas, là on peut pas. On va réussir à trouver une cible quand même. Ah, 82 décembre, ok. Bientôt, on pourra aller chercher Modène. Là, y a plus beaucoup de plus beaucoup de pays en Europe qu'on n'a pas encore eu. Il y a l'Estonie, la Suisse. Oui, bah tant qu'à faire, hein, autant prendre la Suisse pendant qu'on y est. Allez, ouais, non, mais non, il y a deux États, donc je peux pas conquérir. Je suis obligé de faire un fantoche. Allez, c'est parti. Désolé les Suisses, voilà. Je vous les ai laissés en dernier parce que mon neutralité, tout machin. Mais là, je peux pas. Hein. Vous comprenez bien qu'au bout d'un moment, je suis obligé de venir. C'est vrai que l'Espagne et le Portugal, je pourrais y chercher, mais ils font de la colonisation, donc je vais pas y chercher de suite. Ce serait bien s'ils pouvaient prendre ces petits pays là, pareil là, si un des pays pouvait gagner, comme ça moi je le fantoche. Ça passerait plutôt pas mal. Ah oui, j'avais lancé énormément de construction, un truc de fou. 203 millions de. Vache. Ouais, faible accès au marché, Guyane allemande. Bah là, avec le temps de construction, les mecs, l'accès au marché il va être faible pendant un moment. Hein. Je veux pas. Hein? Ah, je peux pas faire de voie ferrée? D'accord. Ah non, ça doit être parce que j'ai pas de port. Ouais, tout simplement. Alors, en Autriche, j'avais fait un nombre de. de voies ferrées. Attendez. Combien? 30, 37. La vache. Briseur de grève. Les industriels ont pris un groupe de voyous armés se faisant passer pour une agence de détective privée afin de cesser d'être posé par la main. Arrêtons les. Hein. Alors. Ça augmente les délais. Les syndicats de travailleurs gagnent en intérêt. Moi je m'en fiche hein, du délai. Hein. Arrêtons-les pour agression. Ouais, voilà. Le délai, c'est pas un souci. De toute façon, j'ai pas énormément de lois à faire passer. Donc ouf. D'ailleurs. Est-ce que je peux incorporer? Non. Ça c'est toujours les trois mêmes. Oups, pardon. Ok. Oula, il se passe quoi là? Ah, il y a un soulèvement, ok. Le soulèvement qui vient. Qui vient d'où? Ah! Désolé, je l'ai pas mieux comme comme humour. Allez, on va dégrader les relations des pays qu'on va assimiler. Par ici. Ah bah non, j'ai plus d'influence. Par contre, la bureaucratie, aïe aïe. Ah mais j'avais pas lancé, je crois, dans ma liste d'attente. Construction privée 170 hein. Du téléphone. Ah non, j'avais lancé du caoutchouc. Purée. Oh, le caoutchouc, les gars. Ouais, lancer du caoutchouc pour pour faire du téléphone. Par contre, je vais devoir construire plus de secteurs de construction. J'ai pas le choix. Je vais en faire 5. Allez, ça devrait être bon. J'ai lancé quelques secteurs de construction. Là, je sais plus combien j'en ai, 400. Mais c'est pas beaucoup, hein, mine de rien, quand on voit la taille du territoire, 300, ouais.
On va arriver aux alentours des 400, mais c'est pas des masses hein, quand on voit tout le territoire à... Le territoire à quel point il est grand, il est vaste, et encore... Ça n'est qu'un début. On se dit, il va falloir. Hein. L'industriel n'est plus puissant. C'est bien. Est-ce qu'il y a un... Non. Ok. Ah oui, je voulais de la bureaucratie pour ça, mais la bureaucratie, oh là là. C'est terrible ça. Moins 1000. Je crois qu'au début de l'épisode, j'étais moins combien 600, 700? Ça va vite. Ah mais croissance annuelle plus 4 millions de population les gars. 4 millions. 3, 4, non 2,01%. Oh la vache. Ouais. Tu m'étonnes. Bon là ça se fait tranquille ou bilou. Voilà, y a pas de soucis. Ça gagne. Hop. Et ouais, il est temps de réfléchir à la prochaine cible. Circassie, la Tchétchénie. Ou alors aller sur la Perse. C'est aussi une possibilité. Avancer un peu en Orient. Ah, c'est vrai qu'on a le Danemark aussi. Ah ouais, mais non, mais attendez, il y a le trio là. Oui, le Brésil, à chaque fois tu me fais le coup. Hop, est-ce que c'est bon pour eux? Est-ce qu'ils ont eu leur compte? Oui. Hop là, voilà. Ça, c'est fait. Ça, je peux pas. 97, ok. La Modène, c'est pour bientôt. Également. 97 également. Ok. C'est quoi au niveau de la population là? 1 million 1, 3 millions, moins d'un million. Ah. Bon, allez, on va y aller. On va faire. Ah, c'est la Suède. Oh, on va faire pifantoche. Ça va aller plus vite. Regardez comme ça. Hop là. Alors, on va envoyer du monde. Oui, oh, ça construit plus vite là. Oh là là, ah oui, ça construit bien vite là. Regardez la liste d'attente qui baisse bien. Oh, ça fait plaisir. On est à 400, là on est passé à 200 et des poussières. Ça fait plaisir. Alors, cet après-midi, France Planche, chef des syndicats des travailleurs, prononce un discours enflammé en faveur de la promulgation de la loi organisme de réglementation. Ouais, c'est bien. Révolution en Amérique centrale, révolution en Arabie. Ok. Capacité d'imposition insuffisante. Bon, bah, allez, on va augmenter tout ça. Hop. Une gale ici. Mince. Gutenberg. Demande de promotion. Non, non, on ne forcera pas la main. Bavière, Bavière, Bavière.
Ok, rental. Ok, j'ai une techno. Hop. Massy. Béquet. Et Westphalie. Hop là. Ça devrait faire l'affaire un moment. Bon, sont-ils soutenus? Sont-ils aidés en faire un pays fantoche? Ouais. On peut faire doublement un pays fantoche de la Suède, je sais pas pourquoi. Ok. Transférer un sujet. Hop, Norvège. Voilà. C'est très morcelé aussi en Amérique centrale. Hein. Et le Costa Rica, le Costa Rica, le Nicaragua, le Royaume des Mosquitos, le Honduras, le Salvador, le Guatemala, Chipias. Ça fait beaucoup. Ouais. Ok, on est revenu au niveau bureaucratie, ça c'est bien. Ah, tu m'étonnes, premier. On n'a pas le premier PIB par habitant. Oui, bah oui, tu m'étonnes, c'est un des pays qui profite de mon marché. Marché qui est un peu petit. Ouais, c'est obligé. Hein. Par contre, au niveau des PIB. Ok. Je vais voir quand même. De 100 millions. Ah, ils s'en tirent bien. Ok, allez, on va faire un débarquement. On va prioriser là. C'est où? Ah, c'est là. On va prioriser Stockholm. Et on va faire un double débarquement d'ailleurs. Et on va y envoyer Bismarck. Et on va y envoyer à Strasbourg. Voilà. Voilà. Prépare les forces. Oula, ouais, les constructions, ça va vraiment vite maintenant. Prix des marchés. Électricité. Oh, c'est pas mal. Massier. On va faire 30 niveaux. Les transports, je peux pas. Le papier, ça va. Encore le verre? Non. Non. Faut arrêter là aussi. Hein. Sérieux? Ah zut. J'ai une carte qui était bloquée. Bah alors? Eh? Ah. Ah, j'en avais fait là du vert. Hop là, on va rajouter ça. Du fer, ah oui, ça par contre. Ça, ça s'en vend pas. Là, c'est bon. Là, c'est au max. Là, c'est au max. C'est au max aussi, AB. Ah, en Saxe, c'est bon. J'en ai, on va en faire en Saxe. La teinture aussi, ouais, ouais, mais là. Teinture, bureaucratie insuffisante. Encore? Ah, c'est la petite bourgeoisie qui a. Oh bah. Oh bah, c'est bon. Ça devrait être correct. Ouais, ok, au niveau des constructions. On peut encore en lancer. Non mais c'est fou ça par contre. Combien j'en ai fait en Autriche?
Ah oui, c'est parce qu'on n'avait pas les vidéos. 51e Académie d'Art? Ouais. Ah, au niveau de la productivité, ouais. Ah, mais c'est normal. Il y a tout ça qui est en train de se faire. Comment ça, les états de trêve, là? Mais ils sont où? Oh non, mais pas ici! Oh non, je peux pas les atteindre en plus, c'est terrible ça. Par une promulgation de loi bloquée. Oh, ils sont pris un bon moins 15 là. Là, c'est bien, il y a une unification de l'Éthiopie qui est lancée, mais. Ah, ça c'est nul. Ça, c'est vraiment embêtant. Je veux juste à. Non, débrouillez-vous, quoi. J'aurais dû les annexer. Ah, ça me fait du retard, ça. À mon avis, je vais même devoir les libérer. Je sais même pas si c'est possible. Je peux pas les atteindre, en fait. C'est ça le problème. Et ça, je sais pas combien de temps ça va durer. Ça, c'est un gros défaut du jeu. C'est que je peux pas passer par là. Et pourtant, j'ai des territoires, mais. Regardez, j'ai le Darfour. Hein. En théorie, je peux passer par le Darfour, mais. J'essaie d'influencer le Darfour. Ou Sokoto, enfin quelqu'un qui est à côté de Wadai ou n'importe qui. Darfour, il peut pas là? Ouais, je te propose une obligation, le Wadai, franchement. Je serais toi, je prendrais rien. Je crois que je vais devoir usurper. Il y a un truc qui s'appelle usurper le machin. Je sais pas trop quoi. Je vais pas avoir le choix. Hein. S'il veut pas, moi je passe quand même. Hein. Usurper la royauté ou le. Enfin voilà, c'est passer par son territoire. Je vais pas avoir le choix. Là, on est bien. Ok, c'est bien dans les biens essentiels. On est correct. Sérieux? Besoin de moteur. Ok, on a les technologies de chemin fer électrique. Ça c'est cool, on a commencé à avoir, enfin à être limite au niveau production de transport, bah là ça va nous en faire un peu plus, c'est cool. Bien sûr, toujours en subvention, là il y avait les sous-marins, voilà, on va pouvoir piller comme il faut. Ouais, mitrailleur. Hein. Allez, hop. Ouais. Plus de technologie. Regardez, je peux pas passer par là. Voilà, je vais devoir violer la souveraineté.
Attends, quoi? Il doit accepter de violer. Bah non! C'est quoi ce truc? Je comprends pas. Enfin, au bout d'un moment. Bon, très bien. Ils sont allés les soutenir, il n'y a pas de problème. Oh, il y a du monde. Est-ce qu'il m'énerve? Non, mais ils l'ont cherché aussi. Quoi? Ah oui, ici aussi? Pourquoi j'ai un front qui s'est créé? Ils sont alliés? Je sais pas. Alors, à moins que j'ai loupé quelque chose. Ouais, bon, c'est pas grave. Voilà. Bon, je suis obligé de. Je suis obligé de faire ça. Devoir aller en état de trêve, ça c'est un peu embêtant. Ah, je suis un peu en retard, je vais perdre des territoires. Bon, ça par contre, ça fait. Hop là, voilà. On a Norvège-Suède. Plus qu'à aller sur la Finlande. Ah, mais la Finlande. C'est vrai que je l'avais relâché parce qu'elle partait en rébellion toutes les 2 secondes. En 2 jours. Allez les gars, on compte sur vous. 7 jours, allez. On perd pas mal de territoire, mine de rien, ici. Hein. Moi, j'ai une techno. J'ai une techno. On va la faire. Radio, non, je m'en fous. Ouais. On va faire allumage par je ne sais plus quoi. Par compression, ça va augmenter la. Ça va me diminuer, je veux dire, le nombre de travailleurs par mine. Voilà, là c'est en train de reprendre. Là, pareil. De toute façon, il n'y a pas grand monde pour défendre. Voilà, il faut absolument aller sur les états de trêve après. Ah oui, il faut attendre que ça avance un petit peu. Leaderboard. Voilà. Un petit coup de lag comme d'hab. Non, y a personne sur ce front là, vraiment? Oh les mecs. C'est encore galère, mais j'en ai lancé, ça devrait se faire. Je manque de bois dur. Ça devrait être bon. Allez, la loi, est-ce qu'elle va passer? Un amateur en faveur, plus 10%. Prestige, ouais, non, plus 10%. Voilà, on passe à 54% de probabilité, c'est bien. Là, ça donne quoi? Oh, je suis censé écraser quand même. Et où leur capitale? Non, toujours pas.
Bon, c'est comme ça, on reprend nos territoires tranquillou. Là, c'est en train de se juguler. Alors, on n'est pas participant. De toute façon, je vais les annexer. Hein. Rien à fichtre. Je peux pas? Voilà, si, annexé. Voilà. Faut pas déconner non plus. Au bout d'un moment, il y a des limites à la bêtise. Enfin. Ça, c'est la théorie. Non, il n'y a pas de limite à la connerie. Il n'y a pas de limite à la connerie humaine. Voilà. On se fera pareil à voir, parce que là, c'est dangereux. Ça met du temps. Je suis obligé de violer la souveraineté. Enfin, c'est une galère pas possible. On a augmenté la population de combien? Presque 20 millions depuis le début de l'épisode. Ok. Et ils sont combien? 300 000. C'est pas des masses. Ah, c'est ça qu'il faut que je fasse, des usines de téléphone. J'avais zappé industrie. Usine... Voilà, électrique. On l'avait déjà soutien. Oh, parfait. On va les faire en Lombardie. Main d'œuvre disponible, 400 000. On va faire 100 usines. Hop. Au niveau du bâtiment, on va les... Hop là, voilà. Ah ouais, je peux pas modifier. Ok, juste comme ça. Très bien. Par contre, là, tout est subventionné. Je vois pas pourquoi c'est passé en oui, non. Ok. Alors, le Hedjaz est en train de soutenir, je crois. On va faire un pays fantoche. Le Hedjaz. Parfait. On va envoyer du monde ici. Je passerai au neige, de Aloman, etc. De toute façon, un jour ou l'autre. C'est vrai qu'il y a eux aussi. Ok, les états de trêve ont renoncé. Et on a encore un peu de temps avant la fin de l'épisode, c'est parfait. Qui est-ce qu'on va aller chercher? Bah, Modène. On conquérit l'état. Cette fois, ils vont pas nous la faire à l'envers, faut pas déconner. Voilà, on va y envoyer 240 000 troupes. Juste pour l'info, ils sont combien à Modène? Pour 700 000. Personne. Femmes, enfants, tout le monde. Tout le monde mélangé. Alors. Si on a information, ils ont 5000. Ouah, c'est bon, 240 000 contre 5000, ça va. C'est à peu près kiff-kiff, non? Je suis pas très très bon en maths. Bon, il devrait abandonner quand même, logiquement. Hein? On pourra aller sur la Pologne. Oh, Malte! C'est bien, ça m'évite d'aller chercher. Conquérir l'État. Hein. Ah, ici, là. Parfait. D'ailleurs, c'est compté comme quoi? C'est compté comme faisant partie de quelle... Malte fait partie que de Malte, ou ils font partie de la Sicile, d'une manière ou d'une autre? Non, ils font partie que de Malte. Ok. C'est compté comme une région à part entière. Un tic insuffisant. Comment ça? Ah, la loi! Ah, ouais, la loi, avec la loi, ça va me faire consommer. J'ai zappé cette histoire.
Bon, je vais agrandir, de toute façon je vais passer en téléphone tout à l'heure. Ok, c'est bon. Ah, on a Technofilm. Alors, ça c'est bien pour nos centres d'art. Académie des arts, voilà. On va produire 530 objets d'art de plus. Ça, on va le faire passer en téléphone. Alors, ça va sûrement se casser la binette pendant un moment. Voilà. Mais ça va augmenter un peu assez vite. Dès qu'il y aura la production de telle. On va augmenter les niveaux de l'éducation, le niveau du système de santé. Colonisation, en vrai. On s'en fiche un peu maintenant. Ouais. Oui, les téléphones, ça arrive, ça arrive, ça arrive. Non, faites pas. Ok, ça c'est parfait. Moins 40%, donc une augmentation, une diminution du niveau de danger sur les lieux de travail, ça c'est bien. On va le mettre au max. Voilà. Eux, ils vont se battre. Bah ouais. Malte aussi. Bah écoutez. Invasion navale. On va lui envoyer Bismarck. Hein. On va leur envoyer 80 000 péons dessus. Ouais, sur une population de 300 000. Bonjour, bonjour. Ouais, genre ils ont une défense meilleure que la mienne. Mauvaise visibilité. Ah ouais, mon attaque-défense qui... Okay. Ils sont en bonne visibilité. Ils ont plus 25, j'ai moins 25. Un différentiel de 30%, de 50%. Ça picote un peu. Bon, après, on est tellement supériorité numérique. Ça devrait passer d'une manière ou d'une autre. D'ailleurs, on va incorporer les états que l'on a gagné récemment. Hop là. Et ouais, on a vu qu'on avait déjà une toute partie de l'état. On n'a pas eu besoin de changer. Le type de production, etc. Le téléphone, ça avance ou ça avance pas? Toujours un problème d'électricité, allez la Dalmatie. Ah bah non. Ils sont complets de chez complets. Ça par contre j'en veux pas ça. Bon. Je vais devoir en refaire autre part des decks. Hélas. On a échoué là, Posen. Bana, c'est pas moi ça. Allez, on va refaire. Pas le choix, hélas. Non, l'Alsace-Lorraine. Bon, pourquoi pas, hein. Allez, hop. Accès au marché, oui. C'est en train de se faire. Ça va se faire. Oh le petit petit problème d'argent là. Comment ça se fait? Dépense des biens de construction. Oh la vache. Fonds d'investissement il se vide. Ah c'est parce que je fais des administrations gouvernementales. Okay. La Modène. Ils veulent pas encore. Bon ils vont bientôt vouloir. Tomber là, on est d'accord. Oui. Il peut encore se battre. Force armée intellectuelle.
un junker, c'est un rural, on va les laisser se battre. Il m'intéresse pas. Ok. Là, ils veulent le Texas ou quoi que ce soit. Ouais, voilà. Révolution au nord de l'Inde. On a Malte et on a Modène. Très bien. Ça, c'est vraiment cool. On va incorporer Malte. J'ai vu un truc là. On peut établir des colonies. Ah ouais! C'est ce qu'on va faire. Autant que ça serve. La reine initialise. Et en Malte aussi. Voilà. Bon, bah c'est presque bon. Il manquera encore deux petits endroits où il y a de la couleur. Trois en comptant la République britannique. Mais qu'on va bientôt aller chercher, vu que. On peut coloniser, ça y est. Enfin, on peut coloniser l'Afrique, on va dire, du nord central, je sais pas. Moi, du nord, c'est ça. Hein. Ouais. Enfin, l'Afrique du Nord, mais pas trop le nord non plus. Hop, pardon. Voilà. Donc, bah, on va se laisser ici pour l'épisode d'aujourd'hui. Prochain épisode, on va finir la colonisation et on ira peut-être. Je peux pas aller chercher l'anglais ? Alors, on va voir quelles sont les conditions pour aller chercher l'anglais. Attendez. Déjà, j'ai vu ça. Bon, là, c'est bon. Ensuite, action diplomatique. C'est quoi? C'est plus diplomatique. On fait un pays fantoche. On peut pas parce que. En raison de son grande puissance. Bon, faudra diminuer son rang d'une manière ou d'une autre. Je crois qu'il n'y a pas trop trop le choix. Qu'est-ce que. Qui c'est que je peux pas. En gros, il y a tous mes pays alliés que je peux pas. Le Brésil. Ouais, parce qu'il peut pas. Oui, mais ils font déjà partie d'un. Japon, je peux pas. Mais est-ce qu'ils sont pas C'est bizarre. Oh, je regarde, faudra jouer à ça. Allez, on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain épisode de Victoria 3 pour voir comment se débrouillera l'Allemagne. Je vous remercie à tous d'avoir suivi. C'était Thiob. Ciao.